se performance. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors connecte-toi à l'onction et la puissance du Saint-Esprit à travers l'adoration et la louange. Avec l'évangéliste immortel Kaneki, de Worshipper Soul, l'âme adoratrice et l'immense Yamadori. Worship House. Je ne sais pas parler, je ne sais pas prêcher, mais parle à moi par ton esprit. Est-ce que ton esprit communique ce que moi je ne sais pas dire à ton peuple qui m'écoute? Ah! Ce matin, je viens parler encore une fois à quelqu'un. La Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils entendent ma voix. Les miens me connaissent. Alors si tu es enfant de Dieu, prête oreille. Écoute ce que parle l'Église. Parle l'Esprit du Seigneur à l'Église. Mélodie va continuer à jouer en bas et nous allons parler du Seigneur ce matin. Il y a quelque chose que je vais parler à quelqu'un ce matin. Je viens te parler encore une fois. L'Esprit me met à cœur de parler encore ce matin. Shalom à tous, bonjour à tout le monde. C'est votre frère l'évangéliste immortel Kanik. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très important. Très important.
Et le thème de notre jour d'aujourd'hui, c'est que fais-tu avec ce que tu as? Vous savez, pouvoir avoir quelque chose que beaucoup recherchent, mais sans pour autant savoir quoi faire avec. Que faire avec ce qu'on a? Voilà pourquoi ce matin, je viens parler à quelqu'un. Que fais-tu avec ce que tu as? Est-ce que ce que tu as, fais-tu avec quelque chose d'important, ce que tu as? Et t'aide à être ce que tu veux être, ce que tu rêves être. Très important. Tu peux avoir quelque chose dans la vie, mais sans savoir ce que tu dois faire avec. Beaucoup ont des choses très, 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 très importantes, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Ils ont des fois des talents, ils ont des fois des dons, voire même l'argent, mais ils ne savent pas comment utiliser. Ils ont un fond, mais ne savent pas comment utiliser. Et voire même physiquement, d'autres ont la beauté, ne savent pas comment utiliser. D'autres ont le courage, ne savent pas comment utiliser. Mais aujourd'hui, je vais toucher à quelque chose. Que fais-tu de ce que tu as? Est-ce que ce que tu as t'aide à devenir ce que tu rêves? Ce que tu as tant rêvé? Parce que tu deviendras seulement ce que tu as rêvé en utilisant ce que tu as. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre ce que je dis. Tu deviendras ce que tu rêves de devenir en utilisant ce que tu as. Est-ce que utilises-tu bien ce que tu as maintenant? Ce que tu as entre tes mains? Que fais-tu avec? Beaucoup parmi nous ont reçu quelque chose dans la vie. Mais beaucoup sont morts avec ce qu'ils ont reçu. Tu peux avoir trop de talent, tu peux avoir un don fort, tu peux avoir tout ce que quelqu'un peut avoir dans la vie pour réussir, mais sans pour autant réussir, sans pour autant atteindre ton objectif. Tu peux être un grand prophète, tu peux être un grand prédicateur, tu peux être un grand chanteur, mais sans pour autant exceller dans la vie. Vous savez pourquoi? À cause de ce que tu fais maintenant avec ce que tu as. Tu es prophète, tu es pasteur, tu es chanteur, tu es je ne sais pas quoi. Et que fais-tu avec ce que tu as maintenant? Tu as reçu de Dieu un don de chanter, tu as reçu de Dieu un don de prêcher, tu as reçu de Dieu un don de prophétie, mais que fais-tu avec? Ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné maintenant, c'est ce qui fera de toi, ce que Dieu pense de toi devenir demain. On a tous un point de départ. On commence tous de quelque part. Mais si tu commences à marcher de quelque part, tu te retrouveras que tu es arrivé quelque part. Même sans le savoir, tu sauras. Si tu fais un pas, tu verras que tu n'es pas sur place. Tu verras que tu es en train d'avancer. On a tous un point de départ. Nous allons voir dans la Bible, ceux-là qui ont gardé ce que Dieu leur a donné et ceux-là qui ont utilisé ce que Dieu les a donné. Qu'est-ce que tu as dans ta main et qu'est-ce que tu as en toi? Tu comprendras que tu es ce que tu es à cause de ce que tu fais avec ce que tu as. Je vais être un peu clair. Tu es ivrogne. Que fais-tu avec ton argent? Tu bois. Voilà le résultat de ta vie. Ce que tu as aujourd'hui en toi, ta façon d'utiliser ce que tu as en toi aujourd'hui, c'est ce qui fera de toi ce que tu veux devenir demain. Tu veux devenir un grand artiste ou un grand chanteur. Développe le talent que tu as. Développe la musique, le don du chanter que tu as. Tu veux devenir un grand prédicateur. Prêche l'évangile et développe, gagne les âmes pour le Seigneur. Au fur et à mesure tu prêches, tu deviens grand, Dieu t'élève. Tu veux devenir un grand prophète. Utilise bien les dons de la prophétie que tu as. Tu verras ce que tu deviendras demain. Parce que Dieu aime ce qu'il utilise bien ce qu'il lui a donné. Si Dieu te donne quelque chose que tu utilises bien, il en rajoute encore autre. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 24, Dieu, dans le parabole, un maître donne à ses serviteurs. Il donna à celui-ci 5 talents, il donna à l'autre 2 talents, il donna à un autre 1 talent. Et celui qui avait le 5 talents le multiplia.
Et celui, je vais lire rapidement pour ne pas réciter comme une récitation seulement. Matthieu chapitre 25, verset, je suis dans le verset 14. Il sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et les remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, et chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. La Bible dit, le maître prend les 5 talents. Il appelle ses serviteurs, il dit, toi tu prends 5 talents. Toi tu prends 2 talents. Et toi tu prends 1 talent. La Bible est claire. Il donna ce talent selon. Il donna à celui qui... Je vais lire où. Je suis dans le verset 14. Aussitôt, il avait reçu 5 talents, il donna... Il s'en alla... Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Ah, c'est la partie la plus importante que je retenais dans ces versets. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, 1 talent à l'autre, au troisième, mais à chacun selon sa capacité. La Bible est trop claire. Le maître de la maison donna à ses serviteurs, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, mais à chacun selon sa capacité. Et celui qui avait reçu 5, il prit les 5, il multiplia les 5, il fit valoir les 5. Et celui qui en avait reçu 2, de même. Et celui qui a reçu 1, il fait un creux. Il enterra les 5 talents. Vous pouvez lire la continuité, la suite. La Bible dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approchant en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tiens, et te fidèle un peu de choses, je te confierai beaucoup d'autres. Entre dans la joie de ton maître. C'est lui qui en avait reçu le 2 talents, s'en approcha aussitôt et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. C'est lui qui en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas moissonné et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent aux bannières et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a le dit talent, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le maître a distribué le talent à chacun selon sa capacité. Il donna à celui-ci 5, à celui-ci 2, à l'autre 1. Chacun multiplia selon sa capacité. Chacun avait fait de ses talents ce qu'il voulait. Celui qui avait le courage de multiplier, a multiplié ses talents et en avait le plus. Et celui qui n'avait pas du courage a pris le talent qu'on lui avait donné, il a caché. Et voici son sort. La Bible dit, on retira ce qu'on lui avait donné. On ajouta à celui qu'on avait donné. Dieu a donné le talent. Dieu a donné le don à chacun selon le courage. Selon le courage que tu as. Selon la capacité de faire. Selon la capacité. La Bible dit, le maître a donné à ses serviteurs le talent selon la capacité.
Ce que tu as, Dieu te l'a donné selon ta capacité. Dieu a donné à chacun de nous un talent et il attend de nous que nous multiplions ce qu'il nous a donné. Et toi, ce que tu as reçu de Dieu, qu'est-ce que tu as fait avec? Ce que tu as reçu de Dieu, as-tu multiplié ce que tu as reçu de Dieu ou tu les gardes pour toi pour un jour remettre comme il te l'a donné? Dieu t'a donné un don de chanter, Dieu t'a donné un don de prêcher. Est-ce que prêches-tu avec le don que Dieu t'a donné? Dieu a donné un don de prophétiser. Est-ce que prophétises-tu? Qu'as-tu fait avec ton don de prophétie? La plupart d'entre nous avons reçu quelque chose de Dieu. Nous avons reçu un talent venant de Dieu. Nous avons gardé pour nous et nous n'avons pas le courage d'utiliser. Nous avons peut-être mal utilisé et beaucoup aussi ont reçu un don de Dieu qui ont mal utilisé et ils ont fini à être ruinés. Est-ce que utilises-tu bien ce que Dieu t'a donné? Le don que Dieu t'a donné est pour fructifier. Le don que Dieu t'a donné est pour multiplier. Dieu t'a donné ses dons de prophétie pour que tu prophétises. Dieu t'a donné ses dons de prêcher pour que tu prêches. Dieu t'a donné ses dons de chanter pour que tu chantes. Dieu t'a donné ses dons de gagner les âmes pour que tu gagnes les âmes pour lui. Est-ce que fais-tu réellement exactement ce que le maître t'avait laissé de faire? Le maître multiplia le talent à chacun selon sa capacité. Retenez cette phrase. Dieu nous donne le talent, distribue à chacun de nous ce que nous avons selon notre capacité de faire. Dieu ne peut pas te donner ce qui est au-delà de ta capacité, non. Dieu a donné l'autre la prophétie, il a donné l'autre la prédication. Tout ça là, il a distribué selon la capacité. Mais est-ce que ce que tu as reçu, que fais-tu avec? Est-ce que ce que tu as reçu de Dieu, tu as multiplié ou tu les gardes pour me rendre compte devant Dieu? La Bible dit, il dit à celui qui a multiplié, bon serviteur, entre dans ma joie. Si nous voyons très clair, la Bible dit, celui qui a multiplié le peu que Dieu lui avait donné, le maître lui dit, tu as été fidèle en peu de choses. Rentre. Et on notera à celui. La Bible dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. C'est lui qui a le talent et qui a multiplié ce talent. La Bible dit, on donnera, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. C'est lui qui a pris ce talent, qui a multiplié comme le maître le voulait. Et on notera, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et celui qui garde ce temps-là pour lui, la Bible dit, on notera même ce qu'il a. Hein? Ce que tu as, on notera. Est-ce que le don que Dieu t'a donné, as-tu développé ces dons? Ou tu es juste un observateur? Beaucoup d'entre nous ont mal utilisé ce que Dieu les a donné, ont gâté, ont détruit ce que Dieu les a donné. Beaucoup ne gardent même pas, mais beaucoup ont mal utilisé. Au lieu de fructifier, au lieu de multiplier, ils ont pris ce que Dieu les a donné pour détruire encore l'œuvre du Seigneur. La prophétie que Dieu t'a donnée, est-ce que tu l'es fait selon ce que Dieu, selon la volonté de Dieu ou selon la capacité que Dieu avait vue en toi et qu'il t'a donné ses dons ou tu l'as pris pour abuser avec? Le don de prêcher, de chanter, est-ce que tu le fais correctement comme le maître le veut? Ou tu fais selon ce que toi tu veux? Ou tu es parti creuser et enterrer ce que Dieu t'avait donné? La Bible dit, c'est que celui qui a multiplié, le maître a dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans ma joie. Rentre dans ma joie et dans l'abondance. Il retirera à celui qui avait gardé. Celui qui n'a pas utilisé bien ce qu'il avait. La Bible dit, on notera même ce qu'il a. Bien-aimé, est-ce que ce que Dieu t'a donné, tu le fais tel qu'il voulait? Est-ce que la prédication ou bien le don de la prophétie ou tout ce que Dieu t'a donné dans la vie, utilise ça tel que Dieu le veut? Dieu t'a donné un don, Dieu t'a donné une connaissance, Dieu t'a donné la force, Dieu t'a donné le courage. Est-ce que utilises-tu ton courage exactement tel que Dieu attend que tu le fasses? Dieu t'a donné une beauté. Dieu ne t'a pas donné la beauté pour que tu sois une prostituée. Dieu t'a donné la beauté pour refléter la gloire, pour prêcher peut-être. Peut-être que le monde dise, oh voilà une belle fille qui prêche, voilà un bel homme qui prêche. Mais non, pour être une prostituée et dire, waouh, voilà cette
belle femme, mais c'est une fille de la rue. Est-ce que ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas seulement le don de prêcher que Dieu nous donne tous, ce n'est pas seulement le don de prophétie que Dieu nous donne tous, ce n'est pas seulement le don de chanter, mais ça peut être le don de faire le commerce, le don de faire, le don de le courage, le don de conseiller, le don d'aimer. Est-ce que tu aimes tel que Dieu aime? Dieu nous a donné multiples, diverses choses, diverses. Dieu ne donne pas à tout le monde le don de prêcher. Tout le monde ne peut pas être un prédicateur, un prophète. Dieu a mis quelque chose en toi que tu dois trouver et savoir quoi et utiliser exactement tel qu'il attend de toi. Sinon, demain, tu seras traité de mauvais et méchant serviteur. Dieu a mis en chacun de nous quelque chose. Dieu a donné. Est-ce que ce que Dieu t'a donné, tu l'utilises tel que tu as? La plupart de nous, Dieu a donné la connaissance de la parole, mais ils sont devenus comme des testeurs de foi des autres. Des testeurs de foi des autres. Voilà pourquoi la Bible dit, toi qui as été censé, je crois dans le livre d'Hébreux, toi qui as été censé être un grand, un maître, mais tu es toujours enfant. Tu es toujours dans de petites choses. Tu es toujours en train d'enterrer ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné n'est pas pour être enterré, mais ce que Dieu t'a donné est pour développer, multiplier. Tu deviendras ce que tu rêves de devenir. Seulement lorsque tu utiliseras bien ce que tu as, le talent que tu as, le don de tout ce que Dieu t'a donné comme. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme don? Mais tu veux toujours laisser ce que Dieu t'a donné à toi comme don. Tu regardes toujours aux autres. Tu veux être prophète, mais est-ce que tu es appelé à être prophète? Est-ce que tu es appelé à être prédicateur? Tu veux être tellement journaliste. Est-ce que tu es appelé à être journaliste? Dieu peut te donner le don de journalisme. Est-ce que fais-tu bien ce travail? Ou tu viens avec des titres de mensonges, des choses qui n'est pas. Les autres sont appelés à être ministre. Est-ce que tu es un bon ministre? Dieu t'a donné l'opportunité de devenir ce que tu es. Est-ce que tu es bon dans ce que tu es? Est-ce que tu fais bien ce que Dieu t'a donné? Tu rêves à devenir grand et tu lises aujourd'hui ce que tu as en toi. Tu as peur de quoi? La peur domine en toi. Eh non, je perds, je n'avance pas. Mauvais serviteur, pourquoi gardes-tu ce que tu as? Tu es toujours là en train d'observer ceux qui sont déjà arrivés. Ouh, je mérite être celui-là. Ouh, je mérite devenir un grand journaliste. Ouh, je mérite devenir un grand prédicateur dans le monde. Mais que fais-tu avec ce que tu as? Est-ce que as-tu commencé déjà un pas pour atteindre ces rêves que tu rêves? Tu dois commencer un pas aujourd'hui. Laisse-moi te dire, tu ne seras jamais un bon serviteur lorsque tu gardes en toi ce que Dieu t'a donné. Tu gardes le talent que Dieu t'a donné. Lorsque tu utilises bien ce que Dieu t'a donné aujourd'hui, tu deviendras ce que tu rêves demain. Que fais-tu avec le talent que Dieu t'a donné? Que fais-tu avec Jésus que tu as reçu? Beaucoup ont reçu Jésus pour garder. Laisse-moi te dire, la parole que tu as reçue n'est pas pour garder. Tu veux que le monde parle de toi aujourd'hui? Parle de Christ maintenant, tu verras, le monde parlera de toi. Tu deviendras ce que tu rêves devenir demain lorsque tu utilises bien ce que tu as. Beaucoup d'entre nous, nous avons reçu le Seigneur, nous avons reçu Jésus en nous, mais nous avons gardé pour nous. Tu veux être renommé demain? Parle de ce nom-là qui rend les gens renommés. Tu veux être célèbre? Parle de ce nom-là qui transforme les gens en célébrité. Tu veux devenir grand? Parle de ce nom-là qui relève les gens, qui fait devenir les gens grands. Le Jésus, cet homme de Jésus que tu as reçu, que fais-tu avec lui? Tu gardes pour toi. La parole que tu as reçue, que fais-tu avec? Tu gardes pour toi. Si tu gardes ce que tu as reçu, rien que pour toi, tu es un égoïste. Tu ne deviendras jamais ce que tu rêves de devenir si tu n'utilises pas bien ce que tu as entre tes mains. Ce que tu as entre tes mains, c'est ça le fond de départ. C'est ça le point de départ. Si tu ne fais pas un pas, tu n'arriveras pas là où tes yeux regardent. Si tu veux arriver là où tes yeux regardent, ou si tu veux toucher ce que tes yeux voient, il suffit de faire un pas. Commence d'abord le premier pas. Et tu avanceras le second. Tu arriveras là où tes yeux rêvent.
Tu es là toujours dans des rêves. Tu es là toujours dans des rêves. Tu es là toujours comme un observateur, en observant toujours les autres. Toi, tu regardes toujours les autres. Ce que font les autres, oh, ce que seulement font les autres. Ah, ils font bien ou ils font très mal. Oh, mais ce que toi tu as, que fais-tu avec? Si l'autre prêche, toi seulement, il a mal prêché, il a mal parlé. Est-ce que cette prophétie est vraie? Est-ce qu'il ne chante pas bien? Il ne fait pas bien ce qu'il est en train de faire. Mais ce que toi tu as, est-ce que tu le fais bien? Ou tu es là en train de regarder les autres? Tu es un serviteur qui a enterré des talents. Beaucoup sont morts avec des talents. Beaucoup sont morts avec des dons. Beaucoup ont rêvé de devenir président. Beaucoup ont rêvé de devenir star. Une célébrité. Beaucoup ont rêvé de devenir ministre, mais n'ont pas su utiliser ce qu'ils avaient entre leurs mains. Ils sont là seulement en train de rêver. Tu es là toujours en train de rêver. Tu es là toujours en train de regarder les autres. Tu ne regardes jamais ce que tu as dans ta main. Tu regardes seulement ce que l'autre a. Tu perds ton temps à observer seulement ce que l'autre a. Mais que fais-tu avec ce que toi tu as? Que fais-tu avec ce que toi tu as entre tes mains? Est-ce que ce que toi tu as, tu l'utilises bien? Utilise bien. Est-ce que tu utilises bien ce que tu as entre tes mains? Est-ce que tu prêches bien selon ce que la Bible dit? Est-ce que tu chantes selon ce que l'Écriture nous demande? Est-ce que tu prophétises bien? Ou tu mens les autres? Ou tu prêches mal? Utilises-tu bien ce que tu as? On a reçu Jésus pas pour garder pour nous. On a reçu la parole pas pour garder pour nous. On a reçu Christ pour montrer aux autres. Ne sois pas égoïste de garder ce que tu as pour toi et tu cherches à utiliser ce que les autres ont. Nous tous, nous avons reçu Jésus de la même manière. Mais nous tous, nous ne l'utilisons pas de la même manière. Nous tous, nous ne l'avons pas compris de la même manière. La Bible dit, il distribue les talents selon la capacité de chacun. Il donne à celui de celle selon sa capacité. Dieu t'a donné ce que tu as selon ta capacité. Dieu t'a donné la beauté selon ce qu'il pensait que tu deviendras demain. Mais regarde ce que tu es devenu, une prostituée. Regarde ce que tu es devenu, une femme légère. Regarde ce que tu es devenu, un beau gars voleur. Regarde ce que tu es devenu, un beau gars ivrogne. Regarde ce que tu es devenu, un ministre voleur, un président escroc, un général tueur. Dieu t'a donné la chance de devenir général dans l'armée. Dieu t'a donné la chance de devenir ministre dans le gouvernement. Est-ce que fais-tu bien ce travail? Mauvais serviteur, mauvais général. Depuis que tu es devenu militaire, tu passes la vie seulement intimide de les autres. Yo, keba, keba yonga naza mkonde na kukanga yo. Tu passes toujours ta vie à ça. Est-ce que fais-tu bien? Est-ce que tu vas marquer ton époque? Tous ceux qui ont utilisé très bien ce que Dieu les a donné ont marqué leur époque. Tous ceux qui ont compris ce qu'ils avaient en eux et ont bien utilisé ce qu'ils avaient en eux ont marqué exactement leur époque. Tu resteras là en train de rêver et rêver, en train de regarder seulement ce que fait les autres. Non, celui-là a fait quoi? Celui-là a quoi? Mais ce que toi tu tiens dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans la main? Prends d'abord le temps de comprendre ce que toi tu as. Qu'est-ce que tu as? Dieu n'a pas créé quelqu'un sans talent. Dieu n'a jamais laissé quelqu'un vide. La Bible dit son esprit à nous nous vivifie. Dieu a donné quelque chose. D'abord, tu dois chercher à savoir qu'est-ce que j'ai en moi. Tu ne sais même pas ce que tu as en toi. Non, tu ne sais même pas. Tu te réveilles aujourd'hui, demain, tu es dans la même situation. Tu es toujours là dans des rêves, en train de rêver à devenir. Oh, je deviendrai Michael Jackson. Tu sais la bataille que Michael Jackson a traversée pour devenir ce qu'il est. Ah, je deviendrai Tubby Joshua. Tu sais le sacrifice que Tubby Joshua a fait pour devenir ce qu'il est. Ne rêve pas. Ne rêve pas. Tu dois travailler dur. Tu dois travailler dur, faire valoir ce que tu as en toi. Fais valoir ce que tu as en toi. Fais valoir, ne reste pas là en train de rêver. Beaucoup sont devenus le thermomètre de foi des autres, des observateurs de Monique. Ils sont là toujours en train d'observer les défauts et les erreurs des autres. Mais que fais-tu avec ce que tu as? Tu as la connaissance de la parole, mais prêche la parole, gagne les âmes pour le Seigneur. Tu es là toujours sur internet en train d'observer. Ah, il a prêché quoi? Il a mal prêché. Non, quand nous avons reçu le Seigneur, ce n'était pas comme ça.
Non, les prédicateurs d'Internet ces derniers temps. Regarde-moi celui-là. Païen, ça c'est un païen. Tu es là comme observateur, tu passes ton temps en train d'observer. Mais que fais-tu avec ce que toi tu as dans tes mains? Ce que Dieu a mis en toi, est-ce que tu l'utilises bien pour être considéré comme fidèle et bon serviteur? Dieu ne nous a pas donné tous les dons de prêcher. Dieu peut te donner le don de faire commerce ou quoi que ce soit. Dieu t'a donné un don dans un travail. Tu peux même avoir ce don de jouer au football. Est-ce que tu joues correctement au football? Avec ton temps là où tu pars chercher autre chose pour accélérer un peu de gris-gris pour marquer de but. Est-ce que fais-tu correctement ce que Dieu, ce que le maître t'a donné? Est-ce que tu l'utilises bien? Est-ce que tu le fructifies? Est-ce que tu le multiplies? Ou tu gardes ça pour toi? Tu passes le temps, tout le temps, sur Internet en train de critiquer les autres. Tu es là avec une connaissance que tu trouves que tu sais tout dans la vie. Tu sais tout dans la Bible. Lorsque seulement on prêche, tu es là seulement en train de... Tu es devenu comme un appareil, d'ailleurs, un appareil de coronavirus qu'on met là pour tester l'attention des autres. Tu es devenu anti-coronavirus. Il faut mettre là pour tester. Il a la fièvre? Oui. 33, 36, 40. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, tu as la connaissance de la parole. Est-ce que tu l'utilises bien? Ou tu es là toujours en train de critiquer? Et nous, quand on a commencé l'évangile, c'était pas ces blagues. Mais vous, quand vous avez commencé, maintenant, que faites-vous? Votre Jésus a expiré. Votre Jésus n'a plus de force. Nous avons reçu Jésus pour le donner aux autres. Nous avons reçu Jésus pour parler de lui. Je me réduire à quelqu'un ce matin. Lorsque tu parles de Jésus, Jésus parle de toi. Lorsque tu parles de ses noms, Jésus parle de ton nom. C'est du donna-donna. C'est du donna-donna. C'est du... Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est du donna-donna. Lorsque tu développes ce que tu as t'amène plus haut. Lorsque tu développes le talent que tu as t'amènera à un autre niveau. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre. Tu resteras stagné, tu resteras collé là. Si tu gardes, si tu n'utilises pas ce que tu as, si tu gardes ce que tu as en toi et tu ne sais pas comment l'utiliser, tu resteras là collé, collé. Laisse que cette parole puisse bénir quelqu'un. Apprends à utiliser le talent, à développer le talent. Apprends à parler de Christ. Je me réchute pour demander à quelqu'un, que fais-tu avec le Jésus que tu as reçu? Que fais-tu avec Christ que tu as reçu? Que fais-tu avec le Seigneur que tu as reçu? Tu le gardes pour toi? Tu le gardes juste pour toi? Où tu passes ton temps comme un thermomètre en train de mesurer la foi des autres, en train de voir seulement les erreurs des autres. Arrête de regarder aux autres, tourne vers ce que toi tu as. Tourne ce que tu as aujourd'hui, c'est ce qui fera de toi ce que tu rêves demain. Ce que tu as aujourd'hui, c'est ce qui fera de toi demain ce que tu rêves devenir. Ce que tu rêves devenir dépend de ce que tu fais avec ce que tu as aujourd'hui. Alors réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Utilise, multiplie les talents que tu as. Multiplie, fais bien ce travail. Fais bien ce travail. Utilise bien ces dons de la prophétie, ces dons de la prédication, ces dons de santé. Utilise bien. La Bible dit, il donna, Dieu a donné à chacun de nous selon la capacité que nous avons. Ne rêve pas de devenir prophète si tu sais en toi, Dieu ne t'a pas donné. Tu n'es pas appelé à être prophète. Tout le monde devient prophète comme par hasard. Il se réveille, je connais un pasteur qui était évangéliste bien sûr. Un frère qui était devenu évangéliste. Après un temps, je vois seulement l'excellent révérend pasteur. Il est devenu pasteur, oui. D'un coup de l'évangéliste au ministère pastoral. Ok, d'accord. Il est devenu pasteur. Après quelques temps, je le vois seulement. Le prophète de la nation. Oh mon Dieu, il est devenu encore prophète. Il me dit, est-ce que tu as la prédication de Tibi Joshua? J'aime voir comment il prophétise. Donc, il est en train de transfigurer. Donc, il transfigure. Donc, il change des coquilles. Il est un frère. Il est devenu évangéliste. Alors, première grade. Alors, il monte pasteur.
il monte prophète, alors il, demain il deviendra... Ah non, 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 non. Ça c'est manqué. Ça c'est ce qu'on appelle manque de savoir utiliser ce que tu as. Tu ne sais même pas qui tu es. Est-ce que sais-tu qui tu es? Sais-tu? Fais un effort de comprendre ce que Dieu a mis en toi et utilise bien ce que Dieu a mis de toi, ce que Dieu a mis en toi. Ce que tu fais aujourd'hui avec ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui sera ta récompense de demain. Alors réveille-toi, fais bien, utilise bien. Tu joues au football, joue bien. Tu es ministre, fais bien ton travail. Tu es général, fais bien ton travail. Tu es chanteur, tu es tout ce que tu es. Tu es tout ce que tu es. Alors ta vie de demain dépend de ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Alors réveille-toi et fais bien. Réveille-toi, multiplie le talent. Réveille-toi et fais bien ce que Dieu attend que tu fasses avec ce que je t'ai donné. C'était la parole de ce matin que j'avais besoin de partager avec quelqu'un. Ne sois pas égoïste, ne garde pas ce que Dieu t'a donné pour toi. Ne garde pas ce que Dieu t'a donné pour toi. Ne garde pas pour toi. Multiplie car ta vue de demain en dépend. Ta vue, ton futur, tu rêves de venir quand? Tu rêves éclater dans le monde? Tu rêves? Alors, prends bien soin. Commence au boulot. Entre au boulot. Commence maintenant, n'entends pas demain. Tu es toujours là. Je ferai demain. Je serai demain. Ou demain quand je serai. Ou, mais quand tu seras, c'est quand? Tu seras quand? Et tu... Laisse-moi te rappeler, beaucoup sont morts avec le talent. Avec des rêves. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils étaient là collés en train de rêver au lieu de travailler, au lieu d'utiliser ce qu'ils avaient, au lieu de fructifier ce qu'ils avaient. Ils étaient là toujours en train de rêver, en train d'observer celui-là. Ne regarde pas seulement ce que les autres font. Ne passe pas ton temps à regarder ce que les autres font. Concentre-toi autour de ce que tu as. Regarde qu'est-ce que j'ai dans mes mains. Ce qu'ils sont devenus, ça, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait avec ce que Dieu a mis en eux. Il est devenu ce qu'il est. Il est devenu grand artiste parce qu'il a bien utilisé les talents que Dieu lui a donnés. Et toi, tu es là en train de faire quoi? Réveille-toi. Réveille-toi. Et fais bien. Fais bien ce travail que Dieu t'a donné. Est-ce que cette parole puisse venir la vie de quelqu'un? Est-ce que cette parole puisse pénétrer dans le cœur de quelqu'un? Réveille-toi. Réveille-toi. Prends bien soin de ce que Dieu t'a donné. Car ta vie de demain dépend. Tu vas condamner les gens. Tu vas rester là en train d'insulter les autres. Tu vas rester là en train de murmurer. Le coupable, c'est toi. Le coupable, c'est toi. Parce que tu ne prends pas soin de ce que Dieu t'a donné. Le coupable, c'est toi. Tu resteras là en train de condamner les autres. Tu resteras là en train de condamner les autres. Tu sais pourquoi? Tu resteras là en train de murmurer toute la vie. Mais le coupable, c'est toi. Tu n'as pas pris soin de ce que Dieu t'a donné. Tu ne t'es pas mis au travail. Tu es là en train de dormir. Tu es là en train d'observer les autres. Tu es là en train de critiquer les autres. Mais réveille-toi, prends soin de ce que Dieu t'a donné. Regarde ce que tu as dans tes mains. Regarde ce que tu tiens dans tes mains. Mais prends soin de ce que tu as. Ne passe pas ton temps en train de regarder les autres. Ne passe pas ton temps en train de critiquer les autres. Ne passe pas ton temps en train de rêver. Ne rêve pas, réveille-toi. Sinon tu seras traité de mauvais serviteur. La Bible dit Dieu a multiplié le talent selon la capacité de chacun de nous. Le don que tu as, c'est selon ta capacité. Ne cherche pas à faire ce que tu ne peux pas faire. Ce que tu as, c'est selon ta capacité. Tu as le don d'être évangéliste, reste évangéliste et prêche l'évangile. Ne va pas devenir prophète parce que ce n'est pas ta capacité. Dieu t'a donné ce que tu as, c'est selon la capacité qu'il sait qu'il avait mis en toi. Alors tu deviendras ce que tu rêves de devenir en utilisant seulement ce que tu as. Ne rêve pas utiliser ce que tu n'as pas. Ne rêve pas utiliser ce que tu n'as pas. N'enterre pas les dons que Dieu t'a donnés. Parce que tu as peur. Parce que tu as peur d'entrer dans le terrain. Parce que tu as peur de prêcher. Parce que tu as peur de prophétiser. Tu resteras dans la même vie et tu mourras avec un rêve, avec deux visions. Tu mourras avec cette vision que tu portes en toi. Si tu ne te mets pas au travail aujourd'hui. Tu
Tu as reçu ces dons trop jeune, mais regarde, tu as vieilli sans rien faire. Et tu trouves ça normal. Tu as reçu ces dons, tu étais trop jeune. Tu étais trop belle depuis ta jeunesse. Tu as blagué avec ta beauté. Et voilà, tu vieillis sans mariage. Tu vieillis sans mariage. Tu vieillis sans mariage. C'est qui le coupable? Pendant que les autres rêvent de devenir responsables, vivre dans la maison, toi tu rêves encore faire la folie avec ta beauté. Alors dis-moi, le coupable de demain c'est qui? Tu veux culpabiliser qui? Le sorcier de ta famille? Non, le coupable c'est toi. Le coupable c'est toi, c'est bien toi. C'est bien toi le coupable. Tu as reçu le don de prêcher depuis ta jeunesse. Est-ce que as-tu prêché quelqu'un? As-tu gagné les âmes pour le Seigneur? Tu as reçu le don de chanter. Tu es là toujours en train d'envier. Oh, la sœur un tel, le frère un tel. Tu regardes toujours vers les autres. Tu regardes toujours vers les autres. Tu as ton regard toujours vers les autres. Regarde ce que tu as. Ce que tu as dans tes mains fera de toi ce que les autres sont devenus. Réveille-toi, mets-toi au travail. Il n'y a pas du retard. Il n'y a pas le retard. Il n'y a pas le retard. Ne restez pas là assis en train de rêver. Tu mourras avec le talent que Dieu t'a donné. Tu mourras. Si tu pars dans le cimetière, tu verras de braves garçons, de belles filles, de jolis garçons. Tu verras de beauté, de force. Des hommes forts sont morts avec la force. Beaucoup n'ont pas atteint leur objectif. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont rêvé comme toi. Ne rêve pas sans rien faire. Ne rêve pas sans rien faire. Ne rêve pas. Ne reste pas là en train de rêver. Mets-toi au travail. Ta vie de demain dépend de ce que tu fais avec ce que tu as aujourd'hui. Ta vie de demain dépend de ce que tu fais avec le talent que tu as aujourd'hui. Que fais-tu? Est-ce que tu utilises bien ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu utilises bien ce que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu utilises bien? Est-ce que ce que tu fais... Oh my God. Tu as reçu un don de Dieu. Regarde comment tu as mis ça dans le placard. Tu es là toujours sur internet en train de critiquer ce qu'il prêche. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette bibliothèque de la parole que tu as en toi? As-tu gagné combien de âmes pour le Seigneur? As-tu déjà converti quelqu'un avec la parole que tu as? Ta connaissance est devenue seulement une unité de mesure pour mesurer la foi des autres. Tu es là seulement en train de critiquer. Ah, la jeunesse d'aujourd'hui, ils ne servent plus Dieu comme nous on faisait. Comme nous, quand on faisait. Tu es là seulement dans quand j'étais. Mais quand est-ce que tu te réveilleras pour faire? Réveille-toi. Je m'aimerais réveiller quelqu'un ce matin. Oh my God. Je m'aimerais dire à quelqu'un, tu as un don en toi que Dieu a mis et que tu ne sais pas ce que faire avec. Je m'aimerais réveiller quelqu'un. Je m'aimerais dire à quelqu'un, tu as en toi quelque chose de précieux. Tu as en toi quelque chose de grand. Dieu a donné ce que tu as selon ta capacité. Oui, oui, tu te demandes que faire avec. Mais oui, tu es capable parce que Dieu avait mis en toi ça parce qu'il savait que tu es capable d'assurer. Tu es capable d'utiliser. Tu es en train de te juger si tu es capable d'utiliser le don de la prophétie. Tu as la prophétie, mais tu as peur de prophétiser. Tu as le don de chanter, mais tu as peur de chanter. Tu as le don. Tu es un brave homme. Tu es un brave, un guerrier. Mais tu as peur. La peur domine en toi. Utilise ce que Dieu t'a donné. Prends le courage d'utiliser ce que Dieu t'a donné. Oh my God. Prends le courage d'utiliser. Ne restez pas là comme un observateur. Ne quitte pas ce monde. Tu quitteras ce monde avec ce talent. Et tu seras traité de mauvais serviteur. Tu seras jugé par rapport à ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné. Je m'aimerais réveiller quelqu'un ce matin. Je m'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Tu as reçu un talent. Oh oui, c'est bien. Tu as reçu deux talents. Oh oui, c'est bien. Tu as reçu un talent. Puis le secret, c'est dans l'utilisation. Le secret, c'est comment tu utilises. Est-ce que tu multiplies ce que Dieu t'a donné? Tu rêves de devenir grand demain. Travaille aujourd'hui. Tu rêves de devenir un grand prédicateur, commence à prêcher aujourd'hui. Tu rêves de devenir un grand chanteur, commence à s'entraîner aujourd'hui. Tu rêves de devenir un que tu sois, que quoi que tu rêves de devenir, mets-toi au travail, comprends ce que tu as en toi et tu deviendras ce que tu rêves de devenir demain.
Ne reste pas là en train de chercher de dépendre seulement de ce que les autres ont. Tu resteras esclave des autres en utilisant un dépendant de ce que les autres ont. Ce que les autres ont ne t'appartient pas. C'est à eux. Ce qu'ils ont, c'est à eux. Ce que toi tu as, c'est à toi. Dieu nous a donné ce que nous avons selon notre capacité. Peut-être tu te sous-estimes. Non. Tu es un grand prédicateur. Tu le deviendras si tu te mets au travail aujourd'hui. Tu rêves de devenir quelqu'un d'autre. Mais tu ne deviendras pas quelqu'un d'autre. Regarde ceux qui ont mal utilisé le talent. Comment ils ont fini. Ils ont fini dans les ravins. Ils ont mal utilisé ce que Dieu les a donné. Tous ceux qui ont mal utilisé ce que Dieu les a donné finissent très mal, très mal. Très mal, disparaissent très mal. Beaucoup meurent sans atteindre l'objectif. Dans le cimetière, tu trouveras les hommes forts. Dans des cimetières, tu trouveras les hommes riches. Dans des cimetières, tu trouveras de belles femmes. Tu trouveras de belles hommes, plus que toi, les hommes intelligents, plus que toi, qui sont morts sans atteindre l'objectif, parce qu'ils étaient là, collés en train de rêver et regarder les autres. Ils étaient là en train de te prostituer comme tu le fais maintenant. Ils étaient là en train de blaguer avec la vie, en train de faire la folie que tu fais maintenant. Ta vue de demain dépend de ce que tu fais maintenant. Alors réveille-toi. Réveille-toi, prends conscience. Réveille-toi, considère ce que Dieu t'a donné. Réveille-toi et mets en action ce que Dieu a mis en toi. Car tu deviendras ce que tu rêves seulement le jour où tu te mettras au travail. Et tu comprendras que Dieu a mis en moi quelque chose de très important que je dois utiliser maintenant. Maintenant, oh bon serviteur, rentre dans la joie de ton maître, car tu as multiplié ce que tu t'es donné. On donnera à celui qui a, pour qu'il soit dans l'abondance, car il a multiplié. Mais on ôtera à celui qui a, même ce qu'il n'avait pas. Regarde. Oh, réveille-toi. Réveille-toi, 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 regarde bien dans tes côtés. Aïe. Laisse que cette parole puisse venir à la vie de quelqu'un. Laisse que cette parole puisse donner la force à quelqu'un. Laisse que cette parole puisse te faire comprendre que tu vaux mieux que ce que tu fais. Tu vaux mieux que ce que tu es maintenant. Réveille-toi, prends conscience de la vie. Réveille-toi, prends conscience du talent que Dieu t'a donné. Réveille-toi, tous nous ne sommes pas appelés à être les mêmes personnes. Tous nous ne sommes pas appelés à devenir ce que tout le monde sont devenus. Tu peux être quelqu'un de plus mieux que ce que tu es aujourd'hui. Seulement si tu comprends ce que Dieu a mis en toi et tu le mets en valeur. Valorise ce que Dieu t'a donné, car ta vie de demain en dépend. Ne restez pas là en train de rêver, car beaucoup sont morts en train de rêver. Le temps est très précieux. Tu ne vivras pas éternellement sur la terre. Alors profite de ton temps pour faire valoir les talents que Dieu t'a donné. Regarde. Ah, laisse-moi te dire. Seigneur, bénisse ta parole. Laisse que ta parole pénètre la vie, le cœur de quelqu'un, afin que cette vie soit transformée au nom de Jésus. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Touchez la vie de quelqu'un ce matin, cet après-midi, ce soir. Touchez la vie de quelqu'un et transformez le cœur. Fais comprendre un fils qu'il a un talent que tu attends de lui, qu'il multiplie, ô Seigneur. Tell me, can I retrouve this moment?
zokende na zero yo yo pona je fera motuka na yo se yo mei na zero yo yo pona je fera motuka na yo se yo mei oye bande ngozo tango sa oye bande ngozo batela car demain, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, car demain, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, ah, tant que goût est coquille, dans l'amour que la rétroviseur, oh, et bien si qu'on vous dit, on m'en est si qu'aux aucun dé. Na je fais la moto cano yomé, talande gozo tambousa. Na zela yo yo poni, tambouna e kengende konanga. Oyo zamba tchèque tina yo, yo mon kondozo salela. Ma conséquence à l'obi, so dépendant au yo zo salale la manger na yo ya ma vie so dépendant au yo zo salale la tala mon cœur na retrouvise oh tala oh eba so que zo salama l'amou tala mon cœur na retrouvise oh tala oh mona si tu utilises bien ne perds pas ton temps. Alors demain tu ne sauras plus rien faire. C'est pour toi le temps de revenir recommencer. Ne perds pas ton temps. Car demain tu ne sauras plus rien faire. Ne perds pas ton temps. Car demain tu ne sauras plus rien faire. C'est pour toi le temps de revenir et recommencer. Votre tango est au lecaé. Ne perds pas ton temps en train de regarder les autres. Regarde uniquement ce que tu as mis en toi. Est-ce que tu utilises bien ce que tu as mis en toi? Utilise bien ce que Dieu a mis en toi. Tu verras le fruit. Tu verras. Ne perds pas ton temps. Car demain tu ne sauras plus rien faire. C'est pour toi le temps de revenir recommencer là où tu as failli. Tu peux encore reparler. Réveille-toi, réveille-toi. T'as là dans le rétroviseur et à bon moment. Oh mon essica outil. Et tes bon moyens à yo et à l'obi. Ils ont dépendré d'un mot. Aïe, aïe. Grosse performance. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors connecte-toi à l'onction et la puissance du Saint-Esprit à travers l'adoration et la louange. Avec l'évangéliste immortel Kaneki, de Worshipper Soul, l'âme adoratrice et l'immense Yamandoulé. Worship Art.